Ok, merci. Excusez-moi, merci, monsieur le modérateur, pour le travail que vous venez de faire. Je remercie tout le monde d'être venu répondre à cette conférence débat. Je remercie l'honorable Alidor Numbi et je remercie tout le monde qui a répondu à l'invitation. Bien que ça a commencé un peu tard, je m'excuse pour le retard. Alors, je voudrais parler de notre pays parce que nous approchons des enjeux assez importants. Comme vous le savez, 2015 était censé être une année électorale et 2016, mais malgré tout ce qu'on entend ci et là, notre pays aujourd'hui, selon moi, de par le passé, nous voyons comment le pays a été géré depuis qu'on a accédé à l'indépendance, depuis 1960 jusqu'à cette année ici. Nous avons vu les régimes qui se sont succédés, nous avons vu les dictatures qui se sont succédées, mais on arrive aujourd'hui à un tournant très décisif où le peuple congolais devra faire un choix des leaders et des animateurs des institutions qui vont nous conduire à partir de cette année et de l'année prochaine. Alors c'est pour ça, pour un Congo, excusez-moi, pour un Congo stable, fort, nous avons besoin de refonder notre État. Parce que, selon moi, notre pays, nous n'avons plus d'État au Congo. Pourquoi je le dis? Parce que vous connaissez très bien que les attributs d'un État, c'est d'abord avoir une armée. Et depuis que nous avons connu les invasions à l'est de notre pays, nous manquons une armée bien équipée, bien structurée pour garantir la sécurité de notre pays. Ça, ce n'est pas seulement au niveau de l'est du pays, mais dans tout le territoire national. Alors, pour les options pour les élections de 2016, les élections à venir, je vais simplement, pour l'introduction, prendre l'exemple de l'Angola. Vous savez que l'Angola, à un moment, il a connu une guerre. L'Angola a connu une guerre, comme nous, après ces guerres qui se sont succédées. Dans une interview du président Dos Santos, on lui avait posé la question de savoir quelles étaient ses priorités à l'époque. Il avait dit que la priorité des priorités était refonder l'État, et pour refonder l'État, il fallait d'abord commencer par refaire une armée nationale et républicaine. Je pense qu'aujourd'hui, on peut lui donner raison, parce que s'il y a des gens qui suivent la télé de temps en temps, ou qui suivent les informations, vous allez constater qu'aujourd'hui, l'Angola est une fenêtre de prospérité. Tout le monde va investir en Angola. Voilà, le reste a suivi. Donc, chez nous, il se pose déjà un problème de manque. Il n'y a pas l'État chez nous, on ne sent pas l'État. Alors, pour choisir les leaders de demain, il faut choisir les bonnes options. Au niveau, je voudrais parler ici de la sécurité. Vous ne pouvez pas avoir une maison comme celle-ci, c'est un exemple que je donne, avoir des beaux meubles, avoir des richesses, avoir des minerais, et ne pas avoir des sentinelles, n'est-ce pas, pour protéger cette maison-là. Vous voyez, nous sommes un pays qui, on dit souvent qu'on est potentiellement riche, mais le peuple vit dans l'extrême pauvreté, n'est-ce pas? Alors, pour garantir la sécurité de nos richesses-là, nous devons refonder, restructurer une armée. Et pour ça, on a besoin des hommes crédibles, hein, et des leaders. On doit avoir un leadership crédible dans notre pays. Et pour le choix des autres des leaders, des prochains animateurs de nos institutions, nous avons. Je vais parler ici du social du peuple congolais. Donc, on ne va pas choisir. J'ai suivi l'ancien président de la CENI quand il est allé déposer sa candidature à Lubumbashi. Il a déclaré que, à ces élections, je demande au peuple congolais
de ne pas réélire les mêmes élus actuellement. Or, ça m'a fait beaucoup rire, parce que c'est lui qui est à la base de la tricherie de 2011. Vous comprenez? Parce que devant l'histoire, il porte une lourde responsabilité. Alors maintenant, quand c'est la même personne qui vient nous dire qu'il faut savoir choisir les bons élus, je me pose la question si il est frappé par l'amnésie ou quoi que ce soit. Alors, pour le social du peuple congolais, vous savez, comme je viens de vous dire, on dit souvent qu'on est riche potentiellement, mais le peuple vit dans la pauvreté. Or, quand on parle du potentiel, c'est le virtuel. C'est quelque chose, pour qu'on parle de richesse, c'est quand on vend nos minerais à l'extérieur, si l'argent rentre, c'est là qu'on peut dire qu'on est riche. Mais est-ce que le peuple bénéficie réellement de cette richesse-là? Donc, si on doit se choisir, excusez-moi, si on doit se choisir des leaders pour 2016, nous devons penser aussi au social du peuple congolais. Là-dessus, je vais parler dans le point du social, je vais parler de la santé, par exemple. Je ne comprends pas qu'actuellement, l'équipe qu'on a actuellement à la tête du pays a pu mobiliser autant d'argent, plus de 40 millions, je pense, pour construire un hôpital. Pour ceux qui vont souvent à Kinshasa ou ceux qui suivent l'actualité, on nous construit un hôpital où personne ne part. Le peuple n'a pas le pouvoir d'achat pour aller se faire traiter dans ces hôpitaux-là. Alors que nous avons déjà des cliniques qui existent, comme à Kinshasa, on a Mamayemu, on a autres. On pouvait, avec cet argent-là, restructurer, arranger les infrastructures qui étaient là. Vous voyez? Alors, on doit savoir choisir qui est-ce qu'on peut amener à la tête du pays pour prendre les choses au sérieux. Concernant l'éducation, vous savez, lorsque j'étais petit, il y a 15-20 ans, j'ai trouvé que l'éducation était encore un tout petit peu valorisée, parce que ce qu'on appelle professeur ou maître à l'époque, comme on les appelait, ils étaient plus ou moins bien payés. Mais aujourd'hui, on mêle les parents dans ces histoires-là, et les enseignants n'ont plus de valeur. Je pense que ce qu'on va choisir, que ce soit au niveau du président de la République, que ce soit au niveau du Parlement national et des parlements des assemblées provinciales, il faudrait que l'éducation, l'école primaire, l'école secondaire, il faudrait que ça devienne gratuit. Parce que ce n'est pas normal que nous puissions aujourd'hui, avec autant de richesses, connaître toujours le même problème. Des enfants ne vont pas à l'école parce que on n'a pas payé les parents, parce que les professeurs sont tout le temps en grève et tout ça. Alors je vais passer toujours dans le social, je ne suis plus dans le social, ça, je vais parler de l'économie, comme on n'a pas beaucoup de temps. La RDC se trouve au centre de l'Afrique et elle a pour vocation d'amener le développement. Ça doit être le moteur de l'Afrique centrale pour notre position. Alors, tout ce qu'on crie ici et là dans les médias, on attend le monsieur Matata Ampogno parler de la croissance économique, comme si, je ne sais pas moi, les professeurs, les fonctionnaires, les militaires et les policiers qui sont sous-payés, ils n'ont pas le... Il n'y a pas d'impact de ces discours-là, de croissance économique. Je ne sais pas si chacun chez lui, il sent que... Parce qu'une croissance économique veut dire que c'est la variation faite de la production des biens et des services sur une période donnée dans une économie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent que dans ce pays, il y a la croissance économique? Je ne pense pas. Alors ça, c'est pour 2016. Nous devons choisir des personnes qui sont vraiment, qui sont soucieux de que notre pays puisse aller de l'avant et que ça puisse changer, que nous puissions enfin entrer dans l'ère des pays développés. Alors,
il n'est pas normal que nous puissions avoir, au niveau des mines, des richesses comme de l'or, le diamant, le cobalt, le cuivre, nous avons 53% des eaux d'Afrique. Et ce n'est pas normal. Nous avons Inga, mais il y a des coins de la République où les gens, dans cette République, il y a des coins où il y a des gens qui dorment encore dans le noir. C'est inconcevable. Il y a vraiment un manque de volonté politique. Donc si demain, nous devons aller dans les urnes, nous devons nous approprier ces changements-là. Parce que le 30 juin, par exemple, ça sera l'indépendance, 55 ans d'indépendance. Si on doit faire le bilan de ce qu'on a fait de cette indépendance-là, c'est une honte totale. Vous voyez. Et pour la démocratie, au niveau de la démocratie, on arrête les gens arbitrairement parce qu'on émet des avis contraires, alors que dans, on voit que dans le pouvoir, dans le même camp, on a vu, par exemple, le gouverneur du Katanga émettre un avis contraire. Il a dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait un troisième faux pénalty, par exemple. Mais je vois, ça passe normal. Mais dans l'autre camp, il y en a quand ils disent ça, on arrête, on met en prison comme ça, ce n'est pas normal. Il y a un problème de deux poids, deux mesures, c'est pas du tout normal. Et il faudra, dans la démocratie toujours, une institution d'appui à la démocratie comme la CENI, je pense qu'il faut la restructurer. Il faudrait la restructurer pour qu'on puisse aller dans des bonnes élections. Et cette pression-là, il faut la faire maintenant pour que l'année prochaine, on puisse avoir une année électorale apaisée. Je sais qu'il y a ci et là des gens qui préparent autre chose, qui s'attendent à tricher et tout ça, avec les électeurs fictifs. Je pense que nous devons nous mettre debout, pas seulement la jeunesse, bien que nous représentons plus de 60% de la population, mais je pense que tout le monde, nous devons nous mettre ensemble et faire pression pour que nous puissions ne pas connaître l'expérience de 2011 surtout. Alors, il faudrait une CENI transparente et faire une pression pour aussi que la Constitution soit respectée. Nous devons apprendre dans notre pays, je pense, que le respect de la Constitution, même si les régimes changent, même s'il y a des nouveaux présidents et tout ça, nous devons, vous avez vu ce qui s'est passé depuis l'année passée, depuis 2013, on a essayé d'écrire un livre pour préparer les gens à modifier la Constitution. Vous avez vu, on a créé une organisation, l'ONIP, qui devait identifier et recenser la population pour retarder, pour faire un glissement, alors que après San City, après les accords de San City de décembre 2002, on prévoyait dans les préalables pour aller aux élections de 2006, on avait parlé de l'identification et du recensement comme préalable, mais personne n'avait pris ça au sérieux. Alors on vient soulever ça parce qu'on a, des idées derrière la tête. Alors, je voudrais aussi parler de... J'ai un mot sur le découpage et la décentralisation. C'est une bonne chose de faire le découpage, de passer de 11 à 26 provinces, parce que c'est quelque chose de constitutionnel, mais... Quand on voit l'état du pays actuellement, est-ce que c'est important de faire ça dans cette vitesse? Il y a toujours, selon moi, un plan caché derrière pour que ça prenne du temps et qu'on puisse glisser et qu'on ne respecte pas la Constitution. Je pense que les textes sont là. On peut toutefois utiliser des autres animateurs qui peuvent venir pour mettre en place ou appliquer cette loi-là sur le découpage. Il faudrait que nos amis de la majorité arrêtent de faire
arrête cette vaste blague, au fait. Et sur le dialogue, je voudrais parler de la différence que moi, d'un constat. On vient à Kinshasa, on voit M. Joseph Kabila qui consulte les gens, mais il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau parce qu'en 2013, il a fait le même travail. Il a consulté pour amener à des concertations nationales qui ont accouché d'une souris et les recommandations qui sont sorties de ces concertations n'ont jamais été appliquées. Alors, je donne un exemple très, très clair. C'est comme une femme, vous êtes mariée, je ne sais pas s'il y a des mariés, des célibataires ici, vous avez votre épouse, excusez-moi, qui vous dit depuis 2-3 ans, elle vous dit, que je ne veux plus de ce mariage ici, je ne veux plus de ça, n'est-ce pas? Alors, elle vous dit ça dans la chambre, elle vous dit au salon, elle vous dit partout. Mais vous vous entêtez quand même, vous dites, je vais appeler, n'est-ce pas, la belle famille, donc la famille de l'épouse, comme ça, on va discuter. Vous allez discuter de quoi? Parce que la femme ne veut plus de ce mariage-là. La constitution est là. Le peuple s'est manifesté le 19, le 20 et le 21 janvier à Kinshasa. Les gens sont morts. N'est-ce pas là déjà un message clair? Qu'on ne veut pas de cette histoire-là. Alors, comme on ne peut pas imposer à nos amis dire qu'on va parler seulement de telle chose et pas de telle autre, nous voulons d'abord la consultation là, qu'on est en train de faire par nos amis de la majorité. On ne peut pas se faire confiance. Vous savez bien chez nous comment les choses se passent. Quand on vous dit qu'on va vous consulter en avance, vous savez très bien ce qui se passe. Nous sommes tous des adultes. Alors, il est juste préférable qu'on puisse... On puisse utiliser, et puis ici, j'entends dans la presse, j'entends dire que c'est la volonté de M. Joseph Kabila, c'est lui qui veut de ce dialogue, c'est faux. Lui, il voulait des concertations nationales. C'est comme ça qu'il les avait convoquées par, je ne sais pas, ordonnance ou quoi que ce soit. Il avait nommé le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale à l'époque. Ici, c'est suite aux accords d'Addis Abeba, où on recommande au gouvernement de la RDC et aux pays de l'Afrique des Grands Lacs de faire un dialogue dans notre pays, dans nos pays respectifs, pour apaiser le climat politique depuis 2013. Donc on ne peut pas venir dire que le président Kabila veut de ce dialogue et maintenant l'opposition n'en veut pas. Non, nous devons avoir une culture démocratique dans ce pays. Nous devons savoir respecter la Constitution. C'est très important pour le développement de ce pays. Et les points que nous, en tant que membres de l'UDPS, je peux le dire à l'aise, parce que nous proposons, d'abord on doit parler du contentieux de 2011, on doit quand même savoir qu'il y a eu tricherie, et bien arranger le processus actuel qu'on est en train de préparer pour qu'il n'y ait pas de tricherie, pour que les majeurs qui ont atteint 18 ans entre 2011 et 2016, qu'ils puissent s'enrôler et qu'ils puissent voter et parler à M. Joseph Kabila qu'il existe une vie après la présidence de la République. Déjà, dans la Constitution, on protège... Il y a un statut pour un ancien chef d'État. Il est sénateur à vie et il a beaucoup de d'avantages. Il faudrait peut-être voir si on peut le garantir encore beaucoup de choses, mais il faudra respecter la Constitution. Le 19 décembre, on aura un nouveau président. Bon, là, nous pensons qu'il faut, même si ce n'est pas M. Kobler, même si c'est un autre médiateur, mais on doit parler de ça et de rien d'autre, vous voyez. Parce que quand on vient consulter, le peuple est fatigué. Ça fait 15 ans que cette équipe est au pouvoir. Il n'y a rien à consulter, comme je viens de vous donner l'exemple, illustré par l'exemple d'une femme mariée.
Alors, je vais chuter comme on n'a pas beaucoup de temps, on a commencé en retard. Mon sous-thème, en fait, c'était Étienne Tshisekedi wa Mulumba, alternative crédible. Hein, c'était ça, alternative crédible en 2016. Oui, l'idéal, comme le jour où l'UDPS a totalisé les 33 ans en Belgique, il a dit l'idéal, c'est l'instauration d'un État de droit. C'est ça. Parce que toutes les options que je viens, ou les points que je viens de citer, des défis à relever au niveau sécuritaire, au niveau de l'économie, au niveau social, si on a un État de droit, automatiquement, ça va couler. Alors, je vais un peu lire la définition d'un État de droit selon le juriste autrichien Hans Kelsen. Il définit l'état de droit comme un état dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s'en trouve limitée. C'est-à-dire, il n'y a personne au-dessus de la loi. Il n'y a personne, je suis désolé. Ce pays n'appartient pas à un groupe d'individus ou à un individu qui doit prendre ça en otage. Ou, par exemple, quand j'entends... Déjà, il y a des contradictions au niveau des deux chambres. Le président du Sénat qui dit qu'il faut inverser l'ordre des élections. Le président de l'Assemblée nationale qui dit qu'il faut, toutes les élections qui ont été prévues vont se dérouler comme ça. Mais je pense que le peuple n'a pas besoin des élections communales et tous les autres là. Pour l'instant, je ne pense pas que c'est ça le vrai désir. Je ne crois pas que c'est ça. Alors, il n'y a personne qui est au-dessus de la loi sur ce point-là. Alors, à mon avis, c'est pour ça que je dis, comme ça fait 33 ans, ou plus de 33 ans qu'il se bat pour l'instauration de l'état de droit, je pense que c'est Étienne Tshisekedi qui incarne ce changement-là. Ça passe par la refondation de l'État, j'ai déjà parlé de ça, le bien-être social. Il n'est pas normal, nous avons des petits pays comme, disons, c'est un grand pays, mais comparé au Congo, c'est un petit pays, comme le Gabon. Ils n'ont que le pétrole là-bas et quelques minerais, mais il y a des enfants, même en Côte d'Ivoire, il y a des enfants de l'école primaire et secondaire qui vont à l'école gratuitement. Ce n'est pas normal que nous, avec autant de richesses, nous puissions toujours être en retard. Il faudrait un pays où il y a la justice pour tous. C'est ça l'état de droit. Où il n'y a pas une justice pour les plus forts et une justice pour les plus faibles. Et je pense que il faudra lutter aussi contre la corruption et toutes ces choses-là. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, je voudrais dire aux jeunes qui sont venus répondre ici, je voudrais d'abord vous remercier, remercier tout le monde, mais en particulier les jeunes, parce que en 1960, il faut toujours lire l'histoire, ne pas rester borné, parce qu'il y a un homme sage qui a souvent dit, l'Africain ou le Congolais en particulier, pour lui cacher quelque chose, vous mettez ça dans un livre parce qu'il ne va jamais lire. Si vous regardez la classe politique de 1960, pour la plupart, ils ont tous moins de 35 ans. Donc c'est l'âge que nous autres ici, nous avons. Vous voyez, mais ils ont su se prendre en charge malgré la contestation, malgré que la Belgique ne voulait pas nous donner cette indépendance. Nous l'avons eue. Vous aviez des gens qui avaient 30 ans, 29 ans, 28 ans, 33 ans. Je ne vois pas pourquoi nous ne pouvons pas, aux élections qui viennent, choisir des hommes capables de bien diriger ce pays et qui doivent rendre compte. Lorsqu'il faudra, il faudra les sanctionner négativement ou positivement. Alors, je pense que ce que j'avais à dire, j'avais beaucoup à dire, mais bon, le modérateur ici, peut-être au moment des questions-réponses, on va toujours répondre à toutes questions parce qu'on ne sait pas non plus tout dire. Je dis et je vous remercie. Je voudrais savoir, je viens d'apprendre tout à l'heure ici que à l'Université des Mouvements, par exemple, on a changé les comités de gestion. Et il paraît que toutes les autres tribus qui ne parlent pas les langues de Chiba sont écartées dans cette affaire-là.
À Chicapa, il paraît que les Batek, les Tchokwe et les Pende ne s'attendent pas avec les lois. Aujourd'hui, vous êtes en train de nous préparer pour les élections 2016. Quels conseils pouvez-vous donner aujourd'hui pour éradiquer cette hémorragie qui fait qu'aujourd'hui le peuple est en train de s'entretuer? Vous n'êtes pas des moyens. Alors, je ne sais pas aujourd'hui quel message vous pouvez donner à la jeunesse pour mettre fin à cette situation triste que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, c'est autour de du dialogue. Ici, vous avez épinglé trois points. Vous avez dit quand nous allons partir au dialogue, c'est pour parler du contentieux 2016 et revoir les fichiers électoraux et dire au président actuel qu'après les élections 2016, la vie va continuer. Oui. Alors, mon problème, c'est quoi? À part ces trois attentes ici, dans nos milliers de luttes de peste, on est en train de nous faire voir que après les dialogues, c'est ce qui sera aux affaires, vrai ou faux. J'ai dit que je vous remercie. Vous appelez comment? Kabambi Kasonga Miki. Kabambi Kasonga Miki. Une deuxième question avant de répondre. Oui. Moi, c'est Kassandra Bokassa, Jean-Paul. J'avais des préoccupations et une contribution à la question qui vient d'être posée par le papa. Monsieur le conférencier Eric Ilunga Alula, vous avez parlé dans votre conférence en disant que pour un Congo stable, fort, il nous faut un fondateur de l'État. Et vous avez épinglé certains points pour... Il faut un refondateur de l'État, oui. Vous avez épinglé certains points pour qu'il y ait un refondateur de l'État. Parce que dans votre affirmation, vous avez dit que ce refondateur du gouvernement n'est pas au Congo parce que nous n'avons pas une armée, nous n'avons pas la police, nous n'avons pas un État. N'est-ce pas? Est un négativisme pour vous positionner parce que la façon de parler d'Eric Ngalula me fait voir que au Congo il n'y a rien et pourtant nous sommes en train de parler dans une salle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Pour moi, il serait mieux de parler de l'amélioration de ce qui existe, mais qui est en mauvais état. Parce que cette politique ici, c'est une politique qui nous laisse toujours en retard par rapport à ce que nous sommes. Le Congo nie même son être. Les Congolais nient même son être. Maintenant, si nous l'unions, même nous-mêmes, comment nous allons avancer? Parce que celui qui se nie existe déjà. Et que vous n'existez pas. Alors, comment vous allez exister? C'est-à-dire que cette politique-là, moi, je ne la juge pas bonne ou vraie. En parlant de la décentralisation, M. Eric Ngalula Ilunga, je trouve que vous êtes parti, ce n'est pas une condamnation, vous m'excuserez, vous êtes parti trop dire en quel sens, parce que vous jugez la décentralisation comme une bonne chose, comme une bonne politique. Mais aussi la précipitation. Mais si vous êtes Congolais, que vous avez voté ensemble avec nous, parce que moi je n'avais pas encore atteint l'âge de maturité cette fois-là lors du référendum, mais j'ai étudié, je suis un intellectuel, j'ai lu, je trouve que la population congolaise avait voté oui à cette constitution pour laquelle tous nous réclamons le respect. Dans cette constitution, il y avait la décentralisation. C'est un bon mode de gestion. Et si vous dites que nous sommes partis trop vite en besogne, le gouvernement est parti trop vite en besogne, non, ça devrait être une matière qui devrait être mise en pratique il y a de cela 8 ans. Nous sommes en retard. Et si le gouvernement a pris la mesure de mettre ça en place actuellement, c'est parce que le gouvernement est en retard. Ou on ne peut pas dire qu'on a précipité les choses. Non, on n'a pas précipité.
vous devrez condamner le gouvernement qui a fait ce qu'il devrait faire à temps. Bref, M. Kassanta, vous devez synthétiser votre intervention, comme ça on va passer à l'essentiel. Oui, et par l'intervention du papa, je voudrais seulement dire que ce qui se passe partout ailleurs, c'est une mauvaise compréhension des choses et la décentralisation. Maintenant, il revient aux hommes politiques de donner une leçon à ces gens-là pour qu'ils comprennent que la décentralisation ou le découpage n'est pas une affaire de tribalistes, mais c'est une affaire administrative. Merci bien. Alors, merci pour la question de papa Kikabambi, oui. Alors, moi, je n'ai pas la langue de bois. Je dis, ce n'est pas question d'être dur. Je dis toujours clair ce que je pense. Concernant, vous venez de me dire ici, je dis le découpage et la décentralisation. Vous savez qu'il y a des groupements qui se retrouvent à cheval entre les nouvelles provinces. On se réveille un beau matin. La vérité dans cette histoire, c'est qu'on a attendu 8 ans. Et le jour où M. Moïse Katumbi dit qu'il ne faudrait pas un troisième faux pénalty, comme on ne sait pas le faire partir par la force, on enclenche la décentralisation. Pourquoi pendant toutes ces années, on n'a même pas commencé un début? C'était lettre morte, pourquoi? Pourquoi c'était une lettre morte? Comme il est trop dur à faire partir, lui avec le président de l'Assemblée provinciale, on dit qu'il faut démembrer les provinces. Comme ça, tout le monde va partir. Est-ce qu'on doit continuer dans ces pays, prendre des décisions quand ça arrange un camp, et quand ça n'arrange pas l'autre camp, allez, nous changeons? Non. Moi, c'est ça ma lecture. Je sais que c'est pour ça. C'est ça, moi, mon idée que je me fais sur ça. Donc, vous voyez les risques que nous sommes en train de courir. Or, c'était une procédure qu'on pouvait commencer depuis 2006. Parce qu'on avait dit qu'on allait passer de 11, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours 26. On devait passer de 11 à 26 provinces. 3 ans après, la première. Mais pourquoi on le fait maintenant? Moi, qu'on me réponde simplement pourquoi on commence à faire ça maintenant. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Oui. Moi, c'est comme ça que je comprends ça, parce qu'il y a des leaders politiques qui dérangent, alors on va les sacrifier au nom du peuple congolais. La deuxième question, c'est... Il y a des... Vous avez parlé de 3 attentes. Oui. Après Diallo, oui. Mais dans le milieu de l'IDPS, on dit qu'après Diallo, tu sais qu'il reste au monde suivant vos affaires. Non. Vrai ou faux, c'est un humain. Comprenons-nous bien. Moi, je ne... En 2011... On a voté Étienne Tshisekedi wa Mulumba président de la République. On lui a volé cette victoire. On avait un président qui est la CENI, qui est le tristement célèbre M. Ngoï Mulunda, a proclamé président, et un président qu'on a élu mais qui n'avait pas le commandement, qui n'avait pas le pouvoir. Je ne voudrais pas trop rentrer au fait dans cette polémique-là. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est... Il nous avait dit en lingala, ce n'était pas en français, ce n'était pas en chiluba, il avait dit « Bola la pongi, yaba bébé ». 5 ans, c'est rien. Vous voyez, aujourd'hui, on commence à parler encore des élections. Vous voyez? Alors, je pense que si on doit aller dans ces dialogues, on doit parler de ces points-là. C'est une proposition qu'on fait. On ne dit pas à nos amis de la majorité, on va seulement parler de ça. Non. Donc, nous parlons quand même, il y a eu des tricheries dans ce pays. Vous savez qu'il y a des gens qu'on a votés, qu'on a jamais proclamés, on a nommé d'autres députés à la place. Pas seulement ici, au Kassai Oriental, partout. Et c'est plus de 60% des députés comme ça qui siègent à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas normal. On doit parler de ça. Et on doit parler du processus actuel. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit transparent? Et parler de l'avenir, parce que il est quand même à la tête du pays, malgré la manière dont il a été élu en 2011. Il faut qu'il sache qu'il y a une vie après la présidence de la République. Vous voyez? Et nous allons aller aux élections. L'IDPS est partie prenante aux élections de 2016. Que le peuple puisse décider une nouvelle fois si ça sera Étienne Tshisekedi ou Amulumba. Mais je ne peux pas vous dire qu'après le dialogue, c'est Étienne Tshisekedi qui va être président de la République. Ça, je pense que ça serait de la démagogie. Voilà.
Alors j'ai répondu, je pense, voilà. Alors mon frère me pose la question, Kassanda, si je suis un négativiste, c'est ça? Oui, non, je n'exagère en rien. Nous n'avons pas d'État, mon frère. Quand vous voyez le Congo, ne voyez pas seulement Mbujimayi. Vous avez des frères à l'Est. Moi, je vois toujours l'Est aussi. C'est notre pays. On viole, on tue, on prend nos richesses, comme ça. Et vous dites que nous avons un État. Et à Kinshasa, on nous lit des discours macroéconomiques, comme ça, calmement. On nous parle des 5 chantiers. Mais pour qu'on puisse parler de tous ces programmes-là, il faut que le pays soit dans la paix et dans la quiétude. Il n'y a pas ça. Pour moi, j'ai ma conception de voir un État. Nous n'avons pas d'État chez nous. Ça n'engage que moi, c'est peut-être cru, mais c'est comme ça que je conçois la chose. J'ai eu la chance de me promener dans certains pays d'Afrique, et d'ailleurs, je sais ce que c'est qu'un État. Vous voyez? Et nos amis qui sont au pouvoir savent qu'il n'y a pas d'État chez nous. Ils sont les premiers à ne pas respecter la Constitution. On la viole comme on veut. Et vous me parlez qu'on a un État chez nous. Depuis 2011, les élections des députés provinciaux, les élections des sénateurs, les élections des gouverneurs. Allez, maintenant, on se lève un matin parce qu'on sent qu'il y a une forte pression, parce que dans leur propre camp, on dit qu'il y a, il y aura un troisième faux pénalty, donc il y a eu le premier faux pénalty, donc il y a une première tricherie, il y en a eu une deuxième, pas une troisième. C'est quand on commence maintenant à dire il faut faire les élections provinciales. Ce n'est pas sérieux. Moi, je ne connais pas un pays au monde à l'heure actuelle, dans ce siècle, où on reste comme ça. Les gens restent comme ça, là, comme si rien n'était. Donc, je n'ai pas exagéré du tout. C'est mon avis. Bon, vous êtes libre de penser que si j'exagère ou pas. Alors, concernant la constitution de février 2006, moi, j'étais aux études. Donc, je n'étais pas ici. J'ai lisé cette constitution sur Internet et on m'avait envoyé le document. Je n'ai pas voté pour cette constitution. Vous voyez? Là encore, c'est un débat, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, c'est un autre débat. Nous respectons la constitution. Nous respectons le passage de 11 à 26 provinces, mais que ça se fasse tranquillement. Si vous, par exemple, vous venez aux affaires, vous ne pouvez pas faire ce travail-là. Il faut que ce soit seulement ceux qui sont là qui doivent faire ça. C'est ça? Non. Il faut qu'on se réveille, qu'on puisse prendre conscience, qu'on puisse dire non, là où il faut dire non. Comme ça, là. Déjà, on triche en 2011, et maintenant on nous amène à passer de 11 à 26 provinces. Est-ce que ça sera dans la vérité tout ça? Il y a quoi derrière ça? Je pense que ça, c'est... Oui, vous avez dit à la fin de l'économie de notre pays, vous avez dit que le peuple sache comment voter et à qui voter. Alors j'aimerais savoir comment nous, peuple, pourrions-nous savoir que celui-ci, si on les vote, il fera ce qui est notre besoin, ou bien il ne le fera pas, parce que tout le monde a même que le même discours. Oui. J'aimerais savoir quelle catégorie des gens et comment pourrions-nous distinguer cette classe-là des gens. Merci. Merci, monsieur. Je voudrais demander au conférencier, il nous a présenté le candidat, qui est d'ailleurs notre candidat. Il nous a dit que c'est lui l'incarnation de l'État, des valeurs d'un État. Maintenant, le problème qui se pose, en 2011, nous avons voté pour ce candidat-là. C'est notre candidat et l'unique que nous avons. Mais sa victoire a été volée. Et il semble qu'il y a un groupe de décideurs. Si ce groupe-là n'approuve pas la candidature de notre candidat, tout ce que l'on va faire sera anéanti. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Moi, je pensais qu'on pouvait parler en termes de stratégie ou de résolution pour qu'on ne puisse pas nous voler encore la victoire de notre candidat. Parce que nous pouvons tout faire à notre niveau. Nous avons déjà élu.
comme en 2011, nous avons voté pour lui. Point n'est besoin de nous sensibiliser parce que c'est l'unique candidat que nous avons. Bon, maintenant quand on aura voté pour lui et que ces décideurs-là présentent encore un autre candidat, je crois que c'est à ce niveau-là que nous devons faire pendant ce temps. Voilà. Moi, je pensais que dans cette conférence, on pouvait peut-être sensibiliser la population à dire, voilà, il faut déjà vous tenir debout comme ça, monter des stratégies pour qu'on ne puisse pas nous voler. 2006, l'UDPS avait boycotté les élections à cause toujours de ces histoires qu'on a connues en 2011. Il y a eu des élus du MLC, des élus indépendants, du PPRD et autres. En 2011, l'UDPS s'est engagé au processus. Il y a eu ce qu'il y a eu. Je sais que vous êtes un adulte. Lorsque quelqu'un viendra en 2016 ou 2015, s'il y a élection provinciale, probablement oui. En 2016, si quelqu'un vient, vous êtes adulte. Votre conscience là sait très bien que celui-ci, quand il était aux affaires par exemple, il a parlé pour nous. Même si il y a eu des hauts et des bas, il a parlé pour nous. Celui-là n'a rien fait, n'est-ce pas? Ceux-là aussi, par exemple, comme les partis comme l'UDPS, par exemple, nous prenons un état de droit. Ça fait 33 ans qu'on se bat pour ça. On nous donne aussi la chance, non? Je pense que c'est ça le jeu démocratique aussi. Si nous arrivons aux affaires et qu'on ne fait pas ce que je suis en train de dire là, vous nous sanctionnerez peut-être en 2021. Ça, je pense que c'est le jeu démocratique. Il n'y a pas un autre moyen pour savoir si c'est celui-là qui peut apporter le changement. Il n'y a pas une magie, je veux dire. À moins que vous souhaitiez le statu quo, l'état actuel des choses. Voilà. Alors, papa Kachala. C'est Charles Kachala. Oui. On a voté Étienne Tshisekedi, mais il y a des décideurs qui décident autre chose. C'est ça, n'est-ce pas? Quelque part, vous savez, ce pays appartient aux Congolais. Nos amis de l'Occident, ce sont nos partenaires. Mais ils peuvent décider quelque chose, c'est vrai. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Vous voyez, on a élu des députés, ils étaient au nombre de 42 ou 43, à Kinshasa, de l'UDPS. Le président national dit, n'allez pas siéger. Qu'est-ce qu'on a vu? Ils sont allés siéger. Maintenant, vous voulez qu'ils fassent quoi? Vous savez que si les 42 ou 43 députés n'étaient pas allés siéger, c'était quelque chose. C'était une force. Maintenant, tout le monde est parti pour suivre les 6 000 et les 7 000 dollars et les avantages. Vous voyez? Alors, ça dépend. Je pense que nous devons toujours arrêter de... C'est vrai que la communauté internationale, la politique, c'est le jeu des intérêts. S'ils ne trouvent pas leurs intérêts en vous, ils vont aller chez quelqu'un d'autre. Mais maintenant, c'est notre pays. Je pense que nous avons aussi une part de responsabilité. On doit arrêter de pleurnicher et de dire que si on vote, ils soutiennent un autre candidat et tout ça. Nous-mêmes aussi, peuple, nous, même les élus, nous ne faisons rien pour ça. Ils sont tous allés là-bas, à part, excusez-moi, pas tous, à part deux ou trois qui n'ont jamais mis leurs pieds là-bas. Mais tout le monde sont partis, même dans le bureau provisoire de 2012. Au commencement, là, on voit les premiers vice-présidents, je pense, des élus du Bas-Congo qui siègent là. Donc, il y a un peu, nous avons aussi notre part de responsabilité. Mais concernant les... Vous m'avez parlé, vous pensiez que cette conférence, on allait parler des options. Comment... Des stratégies. Les stratégies, quand on les fait, on ne les fait pas en lieu public pour diffuser ça dans les... Nous allons monter les stratégies. Nous allons en parler, mais ça reste entre nous. Il y en a, ces stratégies-là. Nous n'allons plus laisser, excusez-moi, ce qui s'est passé en 2011, là. Il faut pas seulement avoir des témoins partout, mais on doit dénoncer. Il n'y a pas question d'avoir peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. C'est notre pays. Vous voyez, c'est lui qu'on a élu, on le déclare élu, c'est lui qui n'est pas passé, il attend la prochaine fois. Et il y a des autres élections, je pense que c'est ça. De 1960, il y avait presque tous moins de 35 ans. Et vous exhortez les jeunes gens à se faire candidats à des divers niveaux.
Et vous avez insisté également sur la personne d'Étienne Tshisekedi, qui aujourd'hui a déjà un peu plus de 80 ans. Ne vous contredites-vous pas, parce que aujourd'hui, si vous voulez que les jeunes dirigent les institutions du pays, dirigent le pays à tous les niveaux, mais il y a aussi dans l'autre camp ceux qui disent Étienne Tshisekedi est déjà suffisamment vieux parce qu'il fait partie de la génération de 1960. Mmh. Aujourd'hui, il n'a rien à faire dans ce pays. Qu'est-ce que vous diriez aux uns aux autres par rapport à cette prise de position? Il a fait sortir de sa bouche en disant que non, il n'existe pas l'État en République démocratique du Congo. Sur le plan juridique, c'est trop fort. Moi, j'avais cru préférer que vous parliez. Il y a une existence d'un leadership au Congo. Parce qu'à cela, ça suffit. Maintenant, en reliant votre thème principal, Étienne Tshisekedi, alternance alternative et crédible de 2016. Est-ce que vous pouvez croire que Étienne Tshisekedi fera un leadership qui va soulever les problèmes de l'État en République démocratique du Congo? Et après lui, qu'est-ce que nous ferons par rapport aux problèmes qui nous préoccupent de l'État? Donc, j'avais cru que vous pouvez parler d'un leadership. On manque un leadership au Congo et non dire l'existence de l'État. Ça, c'est trop fort sur le plan juridique. Pour qu'on change les choses, nous, la jeunesse, on doit se mettre ensemble parce que nous représentons la majorité de la population de notre pays. C'est ça que je suis en train de dire. Bon. Maintenant, soutenir des candidats jeunes. Moi, si je suis candidat, s'il arrivait que je suis candidat, ce n'est pas un problème, c'est tout à fait normal que je puisse demander que la jeunesse puisse me soutenir. Alors, ce n'est pas une contradiction du tout. Je vais vous donner un exemple. Vous avez vu en Tunisie, le président qu'on a élu là-bas, il a 88 ans. Le président de l'Algérie, Bouteflika, qui, Étienne Tshisekedi Wamulumba, marche. Il parle, il se promène, il reçoit. En Belgique, il a reçu tous les opposants, la plupart des opposants africains. Mais Bouteflika est sur une chaise roulante. Il dirige l'Algérie. Il dirige l'Algérie. Mugabe, il est là. Moi, je pense que la jeunesse, il a toutes ses facultés pour diriger. On a eu un président jeune qui est là. Moi, je parlais au terme de mobilisation. Nous avons un président jeune. Le plus jeune de la planète. Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de notre pays? Moi, je ne vois pas les bitumages de quelques rues, des cinq chantiers, la révolution. Il y a une révolution de la modernité chez nous? Non. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Donc c'est peut-être au niveau de l'angle, je demande à la jeunesse, en 60, c'est les jeunes qui ont boosté le changement, qui ont réclamé l'indépendance, en 2016, 2015, 2016, qu'on puisse encore se mettre ensemble. C'était dans ce sens-là. Alors, j'ai répondu. Merci. Alors, suggestion, d'accord, merci. Je sais que c'est dur qu'on puisse se comprendre sur ça. Mais je vous dis, essayez de suivre. Peut-être après cet exposé, on va en discuter. Parce qu'il y a le temps, l'honorable doit aussi faire son exposé. Ce pays manque, c'est vrai, de leadership. Mais je vous dis, vous savez, il y a eu combien de morts à l'est de notre pays? Depuis les deux invasions de 96 et de 98. Vous savez, il y a eu combien de morts? Plus de 6 millions. Plus de 6 millions de morts. Est-ce qu'on a un État qui laisse ses enfants mourir comme ça? C'est trop fort parler d'une existence d'un État. D'accord. Je comprends. Je vous comprends. Mais je dis, peut-être il y a certaines choses que je ne peux pas dire pour le moment. Mais on va discuter sur ça. C'est vrai qu'on manque de leadership. Regardez. Brazzaville, on refoule nos frères. Moi, j'étais à Kinshasa. On les refoule comme des chèvres, des vaches, comme des chiens. Pas de réaction de celui qui est censé être le garant de la nation. Ils ne parlent pas. En Angola, on ne parle pas. On prend des cadavres, des enfants. Est-ce que vous avez déjà enterré? Quand une femme fait une fausse couche, vous prenez ça, vous allez mettre ça dans des... À la mort, ou on va directement...
c'est des aventures, c'est pour ça que je vous dis, c'est dur, mais on va en parler après. On n'a pas d'État et on n'a pas de leadership même. Donc pour parler de leadership, on doit avoir un État. Donc on refoule des gens comme ça, on a tué des femmes. Si vous allez à Kine, près de du stade sur zone à Kinshasa et à Maloubou, il y a des enfants qui sont devenus des vagabonds comme ça parce qu'on les a refoulés du jour au lendemain. Donc c'est ça. Futur honorable Eric Ngalula Ilunga, parce que d'office l'État ne nous permettait pas d'accentuer avec trop de questions. Je voulais un peu savoir notre futur honorable. En 2011, dans le processus électoral, vous étiez d'une obédience politique proche du pouvoir. Et aujourd'hui, près de l'élection de 2016, vous changez de couleur. Maintenant, la question est la suivante. Qu'est-ce qui vous a motivé d'adhérer aujourd'hui à l'IDPS? Merci beaucoup. Merci. La dernière question, puis on va clôturer la série de questions. Vous avez posé une question? Pas encore. Merci beaucoup. Moi, c'est Jean-Pierre Nyembakarana. J'ai une suggestion à faire à notre futur honorable, Ngalula Eric. Il a parlé ici pour dire que au Congo, l'État n'existe pas. Moi, je mets ça de côté. L'État existe. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les éléments constitutifs d'un État dans les cours de droit administratif. Ces éléments-là sont palpables au Congo. Donc l'État existe. Mais il y a quelque chose qui manque chez les politiciens congolais. Comme nous prenons la démocratie en République démocratique du Congo. Donc en démocratie, c'est le peuple qui peut faire quelque chose pour libérer toute une nation, pour libérer tout un peuple. Mais qu'est-ce que nous constatons? Le peuple qui doit agir est mis de côté. Parce que pour trouver une liberté totale dans une nation, il faut d'abord encadrer la population, montrer au peuple ses droits. C'est ce qui manque chez les politiciens congolais. Donc en conclusion, au Congo, il n'y a pas de politiciens. Ils adhèrent à la politique pour s'enrichir illicitement. J'ai dit et je vous en remercie. Alors, les orateurs vont vite répondre dans pratiquement 10 minutes. Honorable. Oui, moi je préfère répondre vite et laisser l'honorable orateur principal. Oui, d'accord. Donc, mon frère, le nom c'est encore Arthur Mpongo. Oui. Alors, merci pour la question. Vous m'avez posé la question qu'en 2011, j'avais postulé sous d'autres couleurs. Maintenant, j'ai adhéré à l'UDPS. Voilà. Il faut avoir la sorcellerie pour continuer à soutenir les gens qui font souffrir leur peuple. Il faut avoir la sorcellerie pour ça. Parce que quand on a demandé au président de l'Assemblée provinciale du Katanga, Gabriel Kyungu Akumwanza, c'est ce qu'il a dit. On lui a demandé, mais en 2006, vous avez soutenu ceci, la Constitution. Il a dit, je pense que c'était la sorcellerie. Wow. Voilà. Alors, on ne va pas m'interdire de changer d'opinion quand il est encore temps. C'est bon. Parce que mon père, il y a des gens que je connais. Moi, peut-être, Dieu fait grâce que je sois bien. Mais tout le monde n'est pas bien. Comme je le suis ou comme vous êtes, peut-être. Ce n'est pas normal. Et l'UDPS, c'est le parti où ce virus-là était dans mon sang depuis. Ça, c'est comme quand vous êtes malade de quelque chose, même quand vous cachez ça. Après, on sait voir les symptômes-là. En 2013, je suis allé à Kinshasa. J'ai eu l'opportunité de rencontrer le président Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Et c'est depuis lors que j'ai opté pour être combattant de la liberté, pour que ce pays change enfin. Vous voyez, donc je ne l'ai pas fait. Ça, c'est officialiser la chose. Vous voyez, donc c'est ça. Tout ce qu'on fait, c'est comme j'avais dit tout à l'heure, il ne faut pas crier ça. On veut tous les changements. Je sais que vous voulez aussi le changement.
Mon passé, je l'assume, comme je dis, c'est mon passé et c'est comme ça. Oui, effectivement, vous avez raison, papa Kalombo. Ah, papa Kalala, alors. Alors, vous avez tout à fait raison. Le peuple, ce n'est... il n'y a pas une arme. Hein. Le peuple est une arme plus forte que la bombe atomique. Mais le problème, il faut savoir canaliser ce peuple-là. Effectivement, on n'a pas de leader. Je viens de vous dire ici, on avait des élus, des leaders. On dit, n'allez pas à l'Assemblée, ils y vont. Qui peut guider le peuple? Ce sont des leaders politiques. Mais on en a peu aujourd'hui. Vous voyez? Alors, je pense que il y a certaines choses que je ne peux pas dire maintenant. On aura le temps de faire plusieurs conférences. Aujourd'hui, c'était juste une prise de contact. Et c'est la qualité qui compte. Vous voyez, aujourd'hui, on échange comme ça. La prochaine fois, ça sera de bouche à oreille. Et on va continuer à parler de ça. Mais je ferai partie de ces leaders qui vont écrire l'histoire de ce Congo. Vous voyez, je ne serai pas comme les autres, en tout cas. Merci. Moi, je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Etienne Tshisekedi, nous avons dit que je suis venu à la maison, je suis venu à la maison. Je suis un peu plus jeune. Famille wadi wadi umu ilanga ni barimo avugala bantu nacho basatu bafuira bumfumwa yabo yenu uvota riba sumule kala kala babo kosa tumichi buji wa bantu barimo aba bateka ka chibondo ka yewe ne bamba bakanya ni kuita ikwi yewe le muchemwe yewe le muchemwe yewe le muwe le mu batabara batwaje kubala oto bantu oto bantu babo ni basumule kudisharafu nenu Parce que le Lobo, il y a un frère. Il y a un alliance de Bakong. Il y a un président, il y a un Zélande.
89 000.